touché à l'ischio lors du déplacement des siens sur la pelouse de Girona, le 28 janvier dernier, Ousmane Dembélé, 25 ans, est depuis éloigné des terrains. Annoncé forfait pour environ 6 semaines, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund va encore devoir patienter avant de retrouver le 11 de Xavi. Selon les dernières informations du quotidien AS, l'international français ne sera pas disponible avant le 19 mars prochain, soit pour le Classico face au Real Madrid en championnat au Camp Nou. Avant cela, le joueur de 25 ans, passé par le Stade Rennais, manquera donc les deux rencontres face à Manchester United en Ligue Europa, 16 et 23 février, ainsi que la manche aller du Classico en demi-finale de la Coupe du Roi à Madrid. Mais son entraîneur devrait donc bien pouvoir compter sur lui, pour affronter les Merengues en championnat, ainsi que lors de la demi-retour au Camp Nou. Une bonne nouvelle pour les culés, plus que jamais en tête de la Liga. Le FC Barcelone a dépensé plus de 150 millions d'euros pour recruter cette saison, pour un club en difficulté financière, c'est beaucoup, les Blaugrana prévoient donc de faire un low cost cet été. Ils vont démarrer par un grand chantier de prolongation de contrat. Sergi Roberto se serait vu proposer un contrat d'une année supplémentaire, plus une en option par son club formateur, d'après Mundo Deportivo. Puis Sergio Busquets, libre l'été prochain, va voir le club de sa vie lui offrir une nouvelle année de contrat, selon Sport. Et auteur d'une très belle saison, avec le FC Barcelone, le jeune latéral gauche Alejandro Alex Balde pourrait se voir offrir un nouveau contrat. On se dirige vers une prolongation, jusqu'en 2027, mais le joueur a de sacrées exigences. Il aimerait voir ses émoluments s'aligner sur ceux de Gavi et Arojo. Surtout, il y a le cas Ousmane Dembélé. Une nouvelle fin de contrat en 2024, la direction barcelonaise veut absolument prolonger son bail en Catalogne. On devrait tout de même voir de nouveaux joueurs, avec le maillot du Barça la saison prochaine. Annoncé lors du dernier mercato hivernal, Julian Arojo devrait malgré tout rejoindre le club Blaugrana dans les prochaines semaines. Puis Stefan Mitrovic, le nouveau prodige de l'Étoile Rouge de Belgrade, est une priorité du FC Barcelone d'après Sport. Enfin, la presse catalane rapporte que le Barça veut toujours s'offrir le Brésilien Wesley. Flamengo ne veut pas vendre le joueur pour moins de 15 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.